la petite roumaine Coco Vean, que l'on ne vous a pas encore montré et qui a été, ne l'oublions pas, championne du monde par équipe à Dortmund avec l'équipe de Roumanie. Quelle malheureuse chute à la réception, et pourtant elle a un tempérament, cette jeune roumaine qui vient de Plovdiv. Oui, alors ici on voit un saut Yurchenko avec une double vrille. Voilà, elle est à genoux, ça a manqué de pousser très nettement pour cette jeune roumaine. Alors c'est une jeune roumaine, c'est Tamanar, elle a remplacé Kakovean au dernier moment. Voilà, elles se ressemblent toutes, ces petites roumaines. Elles sont faites un peu sur le même moule. Et son deuxième saut va nous révéler que, disons, qu'elle a encore beaucoup de travail à faire pour concurrencer Gojean et les autres roumaines qui ont terminé parmi les trois meilleurs du monde. Mais enfin, la Roumanie demeure une école de formation exemplaire au prix de certains sacrifices. Et là, vraiment, eh bien, ça démontre aux téléspectateurs que la gymnastique n'est pas une science exacte et qu'à chaque pirouette, à chaque élan, eh bien, la chute peut arriver. Celle-ci sans conséquence, heureusement.